Est-ce qu'on n'est pas sur un petit vlog à l'ancienne, histoire d'aller à Paris découvrir un truc? C'est Sony qui va nous annoncer un boîtier. Dans le sac à dos, j'ai l'Alpha One, ça va permettre de le tester aussi. Vous verrez certainement d'ailleurs des images dans la vidéo du test Alpha One, donc va checker ici si tu l'as toujours pas vu. Et j'ai hâte de savoir pourquoi il nous faut monter à Paris, signer une clause de confidentialité, etc. J'ai ma petite idée, mais on voit ça tout à l'heure parce que là, je suis à la bourre. Allez, let's go! Bon, j'ai essayé de me mettre au Mercure Hotel, mais espace commun fermé dû au coronavirus. Du coup, salle de réunion, demi-journée à 250€. On va essayer de faire le meeting dans le taxi. Ça va être un peu sport, mais là, j'ai pas d'autre choix, quoi. Bon, meeting terminé, ça s'est bien passé, donc ça c'est cool. Je viens d'arriver chez Sony et on va voir ce qu'il nous réserve comme surprise. Et au fait, bien le beau jour la ruche. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça te fait plaisir. Allez, petit vlog à l'ancienne, yes aïe. Hey, hey. Mais ne fasse pas les écouter. Mais incroyable. Check. Ça va ou quoi, tranquille? Check. Vlog. T'aurais pu faire pire. Vas-y, viens de la bière. Ah, il est cool. C'est le même que la 9.2, donc t'as aussi. Enfin, il y a le... des changements là, ça c'est pas pareil. Ah ouais? Ouais. C'est plus épais? Ouais, la bague elle est pas du tout foutue comme ça. Ah, c'est mieux ça, putain. Tu veux prendre en main la bête? Prends en main la bête. Par contre, on est d'accord que c'est la visée, là c'est test 3. Je crois que c'est la même, mais alors, mets ton œil dedans, tu vas voir la taille de l'écran. Wow. Non mais je vais pas m'en remettre de ce bruit artificiel, par contre c'est pas possible, on dirait un jouet. Et quand tu vas voir les photos de 50 millions de pixels, tu vas dire ah c'était ouais, pas un jouet. C'est, en fait. C'est peut-être pas un jouet, ouais grave. Non, il a l'air complètement, complètement dingue. Wouh. Nous voici dans l'antre de la présentation. On ne sait toujours pas ce qu'on va nous présenter et j'irai me demander est-ce que j'ai des idées, parce que c'est un peu la première fois qu'il nous faut monter à Paris sans aucun indice. Mm-hmm. Normalement ils nous font signer un NDA avant, on sait et on va découvrir le produit. Exact. Là c'est... Aucune idée. Moi, j'avais des suspicions. Une Valaction 4? Non, je pensais que c'était la 7-4. Oh, et ouais. Apparemment, d'après le calendrier de sortie, déjà qu'ils viennent d'annoncer l'Alpha One, ça va pas être la 7-4. Et donc là, j'ai une petite déception intérieure, mais je suis ravi parce que ça va nous permettre de mieux tester l'Alpha One. Demande à Marie-Pierre. Marie-Pierre a peut-être des indices à nous donner. Marie-Pierre, est-ce que tu sais ce qu'on va nous présenter? Oula, vous êtes pas prêts. Je vais rien vous dire. Tu vois, ça dure depuis... 3-4 jours, c'est ça. Hein, 3-4 jours, vous n'êtes pas prêts, ça va vous intéresser. C'est une grande année pour Sony. Voilà, plein de choses. Donc vous savez quoi, on va arrêter de spéculer et puis on va attendre de signer le NDA. On a Olivier qui vient de nous rejoindre dans la team. Il découvre à l'instant même l'Alpha One. Alors Olivier, tes premières impressions? Écoute, je suis très heureux déjà du retour de l'écran dans l'axe de l'optique. C'était un petit peu le point noir de l'Alpha One durant la présentation. Beaucoup se sont plaints de ne pas avoir le flip screen. Olivier est content. Tu as une acquisition autofocus. Yes, yes. Et après, tu Christophe. Comment ça va? Ça va être un... Salut. Comment ça va? Ça va. Est-ce qu'il y a le Alpha dessus? Oui. Tu verras. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rentre dans la gamme ciné, ça veut dire qu'on aura du S-Cinétone, ça veut dire qu'on aura tous les avantages du mec en train de filmer. Le mec, il a tout grillé. Il nous a spoilé, donc on va découvrir en live la nouvelle FX3. C'est costaud quand même. Hein. Ok. C'est écrit notre forcel. C'est normal, je m'appelle Guillaume. On la coupera en montage. Ça.
Ok les gars, bon, faut qu'on débrief. Faut qu'on débrief un petit peu ici et on débriefera, je pense, tout à l'heure parce que là, on est encore avec toute la team. On a encore un tout petit peu de temps avec les boîtiers, mais voilà, deux grosses nouveautés. L'Alpha One que vous connaissez déjà et donc cette nouvelle FX3, la BB caméra de cette CineLine avec 99,9% des caractéristiques de la CTS3 dans un nouveau boîtier un peu plus gros, un peu plus profond, vraiment orienté un petit peu plus ciné avec justement une poignée qui accueille l'adaptateur XLR et le CineTone qu'on ne retrouve pas aujourd'hui à l'heure actuelle dans la CTS3. Voilà les deux principales différences entre la CTS3 et la FX3. Donc un positionnement qui est un petit peu délicat, voilà, à chaud, je suis transparent avec vous. Je ne sais pas où le mettre en fait, parce qu'on perd la visée électronique, la mettre d'ailleurs, parce que c'est une caméra pour le coup, c'est une vraie caméra. Alors il n'y a plus de problème de durée d'enregistrement, parce qu'il y a un ventilateur à l'extérieur. On a toute une interface revue au niveau des boutons. Le menu est le même que la CTS3, mais vraiment, on a jusqu'à 3 lumières de REC, en fait, de LED allumée qui nous dit « Vous êtes en train de filmer ». C'est une carapace qui est un peu plus grosse qu'un CTS3. Ça a une bonne prise en main, etc. Mais j'attends de me poser un petit peu au studio, réfléchir un petit peu à tout ce qu'il y a et vous donner vraiment mon ressenti après encore un peu d'utilisation. Normalement, il y a les Instagram qui s'affichent tous ici, là. Tous, là. Moi, je vais bientôt. On dit merci à Fabien. Oh là là. Alors, l'histoire, elle est quand même drôle. Ouais. Parce que moi, ça fait des années que j'en cherche un. Et c'est grâce à ce monsieur là-bas que j'ai découvert la néonoïde. C'est drôle. Ah oui, d'accord. On a le The Quirky dans le bureau. Nico, si tu regardes cette vidéo, eh ben, on attend nos bakchiches avec... Avec Jérém, hein, ouais. On t'envoie notre adresse. Enfin, apparemment, tu l'as déjà vu ce que tu nous factures, enculé. Bon, bien l'heure du débrief. On a parlé un petit peu avec Jérém de ce qu'on pensait de la FX3, de son positionnement, etc. On est tombé d'accord sur... On sait pas. Voilà. Non, en vrai... C'est intéressant. En vrai, c'est intéressant parce que c'est l'entrée de gamme de la série CineLine. Ok, donc on a quoi comme avantage le CineTone? Alors, on nous a dit, ouais. Conditionnel. Ce n'est pas encore sur la CTS3, pas encore. Pas encore, c'est-à-dire que c'est pas impossible que ça arrive dans les mois qui viennent avec une petite mise à jour du firmware. Nous, on a adopté à fond la CTS3, on a eu l'occasion de tester l'Alpha One aussi. Et... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu viens de la photo aussi. Voilà. En fait, on a été habitué à faire de la photo et de la vidéo avec nos boîtiers. Là, la FX3, on va plus s'orienter sur un boîtier orienté uniquement vidéo qui fera une caméra, peu photo. Quoi. Voilà. C'est vraiment une caméra, on perd la visée électronique. Voilà, c'est une caméra de prod parce qu'en fait, ils ont rajouté un ventilateur qui te permet de n'avoir aucune surchauffe, ça c'est clair. Tu as des pas de vis intégrés. Ce qui laisse peut-être, voilà, tout ce qui est peut-être montage également sur le drone qui va venir également de chez Sony, là, le Peak. Le Air Peak. Donc je pense qu'ça va être orienté pour ce genre de choses. Et du coup, tu vas la possibilité de l'agrémenter, de venir l'équiper comme une cage, mais sans la cage. À qui s'adresse cette caméra? Je pense, et on partage cette vision, c'est que en fait, c'est une caméra secondaire, voire tertiaire. Ouais, quoi. Ouais. Une troisième caméra, une C-cam. Vous savez, quand on dit un B-roll, c'est une aberration. Non, clairement, ça ne se dit pas le B-roll. Le B-roll, c'est un terme YouTube. Voilà. La B-cam, c'est la seconde caméra. La C-cam, c'est la troisième caméra. Et Jérém, tu disais un truc pas mal, parce que Jérém a testé la FX6. Et déjà, on n'a pas dit, mais ce qu'on perd par rapport à la FX6, c'est les ND intégrés. Par contre, on gagne quoi? Le capteur stabilisé. Donc, il y a quand même... je pense qu'il faut voir la vidéo de Jérém, parce que, dis-moi si je me trompe, mais tu vas quand même la comparer à la FX6 un petit peu. Ouais, c'est une FX6, ni plus ni moins, mais en très petit. Et je me dis que ça peut également servir, alors là, on parle vraiment d'un domaine spécifique, mais au cinéma en tant que crash cam. Yes. Donc genre une caméra extérieure, par exemple, sur un Ronin, posé sur le capot d'une voiture. Je vois plein de voitures passer. Non mais en vrai, tu peux faire ça. Tu peux faire en fait des plans où tu risques de niquer la caméra. Bah, tu vas plutôt que mettre une FX9 à 10 000 balles ou à 13 000 euros ou une FX6 à 6 000, tu auras un boîtier potentiellement à 4 000 euros en crash cam. Et aussi qui sera en termes d'ergonomie très souple. Tu vas pouvoir les mettre dans des endroits improbables, par exemple entre les gens de pilotage, poste de pilotage. C'est un truc très compact.
Donc du coup, ouais, c'est vrai que plus on en parle, plus on voit cette caméra, on se dit que avec le S-Cineton, on a dit tout à l'heure qu'il allait débarquer sur la 7S3, enfin on pensait, on plus on parle, moins on pense que ça va arriver. Parce que s'ils le font, bah clairement, t'as moins de raison d'acheter une FX3, parce que du coup, bah tu mets un A7S3 en 6 cam. C'est ça. Voilà. Wait and see, comme on dit. On se retrouve 3 semaines après la prise en main express de cette petite caméra, le 23 février, donc le jour de l'annonce. Ça y est, vous êtes tous au courant que cette FX3 existe et qu'elle va coûter 4 699 €. Lors de la prise en main, on n'était pas sûr du prix avec Jérém. On avait annoncé 4 000 €, un peu en dessous de la 7S3, parce qu'il n'y avait pas de viseur électronique. Je viens de vérifier, la 7S3 est à 4 199 €. Et en plus, dans le firmware 2.0, la 7S3 aura le S-Cineton. Ça a leaké. Donc là, je suis navré sur ce coup-là, Sony. Je vous aime, mais je vous fais des love d'amour, mais je ne vous suis pas sur cette FX3. Peut-être parce que je suis photographe et que moi, j'ai besoin d'avoir un appareil photo et une caméra. Donc, à part si vous êtes une pure boîte de prod et que vous avez besoin de 4-5 caméras pas très chères et qui fonctionnent très bien, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que cette caméra n'est pas destinée à mon usage que ça en fait une mauvaise caméra. Au contraire, la 7S3 est chambée, donc la FX3 est chambée aussi, puisque on ne le dit pas officiellement, mais c'est exactement la même chose à l'intérieur. Maintenant, je me pose quand même quelques questions sur la tropicalisation, par exemple. Est-ce que ces ventilateurs ne vont pas jouer en défaveur dans les milieux humides? Je pense que si. Sur l'autonomie, est-ce que la batterie Z va être suffisante pour enregistrer des heures et des heures de broadcast? Ou encore, est-ce qu'elle est vraiment résistante? Parce que Jérémy avait parlé d'une crash cam, on n'a pas envie non plus de la défoncer tous les samedis, quoi, tu vois. Donc, je vous laisse quelques liens en description. Peut-être qu'il y a des collègues à moi, français, anglais, américains, qui ont fait des tests un peu plus poussés. Moi, j'ai pu juste la prendre en main. La qualité d'image est très belle, le son est génial, tout est nickel. Sauf que c'est un A7S3 avec un gabarit un poil plus gros, une prise en main différente, des lumières, voilà, une cage avec des pas de vis, sans viseur électronique, et c'est tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que c'est une caméra qui vous intéresse? Est-ce que j'ai loupé complètement quelque chose? Bref, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, on se voit très vite, prenez soin de vous, la bise!